privilèges et responsabilités du chrétien. Hébreux chapitre 6, nous lisons les trois premiers versets. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Amen. Alors nous poursuivons notre étude sur la troisième des six bases de la vie en Christ, que notre texte traduit par l'expression « la doctrine des baptêmes ». Mais nous en avons déjà parlé mercredi dernier. Cette expression devrait plutôt s'intituler « la doctrine des ablutions ». Nous avons vu que cette expression, « la doctrine des ablutions », »,« la doctrine des baptêmes », est en rapport avec les rituels de purification des Juifs. Et il faut comprendre que ces rituels de purification de la part des Juifs dans leur pratique de la loi de Moïse sous l'Ancienne Alliance avait un but bien précis, c'était de les sanctifier. Regardez ce qui est écrit dans Exode, chapitre 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les, aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Donc, l'usage de l'eau pour laver, pour faire des ablutions, avait un but bien précis, sanctifier le peuple d'Israël, sanctifier les Hébreux. Alors si en tant que chrétiens, vous et moi, nous ne sommes pas concernés par les rituels eux-mêmes, nous n'avons plus à nous faire des ablutions, nous n'avons plus à aller au temple, offrir des animaux en sacrifice et tous les rituels dont parle la loi de Moïse. Donc nous ne sommes pas concernés par les rituels eux-mêmes, nous le sommes quand même par la réalité spirituelle que ces rituels expriment, à savoir la sanctification. Parce que vous comprenez, si nous n'avons plus besoin de nous faire des ablutions, nous avons quand même besoin de nous sanctifier. Tout comme les Juifs devaient se sanctifier par les diverses ablutions, eh bien les chrétiens que nous sommes, vous et moi, nous sommes appelés également à nous sanctifier. Alors, le texte qui le dit avec clarté, sans ambiguïté, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, donc il y a un appel de Dieu. Mais ce n'est pas un appel à l'impureté, mais à la sanctification. Alors notons que c'est un appel, c'est-à-dire que nous pouvons très bien ne pas y répondre. Cependant, ne pas répondre à l'appel de Dieu à nous sanctifier signifie que nous méprisons ce que Dieu veut pour nous. Parce que voyez-vous, si Dieu nous appelle à la sanctification, c'est parce que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Et nous allons lire le verset qui le prouve dans le même chapitre, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Maintenant lisons le verset 3. L'apôtre Paul dit « Ce que Dieu veut, c'est quoi ? Votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impureté. » Donc, Dieu veut et Dieu nous a appelés à la sanctification. Mais il me semble difficile de ne pas prendre en compte cet aspect de notre vie en Christ. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important pour vous et pour moi d'obéir à ce que Dieu nous demande ici. Cependant, il faut comprendre correctement ce que veut dire se sanctifier. Il faut comprendre correctement la notion de la sanctification parce que voyez-vous, si cette notion est mal présentée, si elle est mal comprise, cela peut dégénérer en légalisme. Et il y a une frontière très mince entre la sanctification et le légalisme. Qu'est-ce que c'est que le légalisme? C'est l'application aveugle de la loi. Alors bien sûr, Dieu veut que nous nous sanctifions. Et il y a des préceptes bien précis dans la parole de Dieu sur le sujet. Cependant, il ne faut absolument pas glisser dans le légalisme. Nous allons ce soir examiner attentivement le sujet de la sanctification, parce que vous avez compris, je vais prêcher sur la sanctification. D'accord ? Donc nous allons examiner attentivement le sujet. Nous allons le faire de façon synthétique en divisant ce sujet en
quatre questions. Combien de questions ? Quatre questions. Nous allons commencer par la première. Première question. Que signifie la sanctification ? Je crois qu'il est logique de commencer par cette question. Que veut dire se sanctifier ? Que signifie la sanctification ? Eh bien, dans l'ensemble de la Bible, sanctifier veut dire, et notez-le, purifier, séparé de toute souillure et consacré à Dieu. N'oubliez pas la dernière partie. Non seulement purifié et séparé de toute souillure, mais également consacré à Dieu. Quelqu'un qui est sanctifié, la Bible l'appelle un saint. En Christ, vous et moi, la Bible dit que nous sommes concitoyens des saints. En d'autres termes, nous sommes des saints. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être purifiés, séparés de toute souillure et consacrés à Dieu. Alors, je sais que dans la tradition chrétienne historique, on considère que quelqu'un est saint s'il a vécu une vie exemplaire et s'il est mort depuis bien longtemps. En d'autres termes, eh bien, dans la tradition chrétienne, un saint, c'est quelqu'un qui est mort. Mais dans la Bible, un saint, c'est quelqu'un qui est vivant. Il est bien vivant, il habite sur terre. Parce que c'est sur cette terre qu'il est sanctifié. C'est-à-dire purifié, séparé de la souillure, de toute souillure, et mis à part, consacré à Dieu. Donc, sanctifié veut dire purifié, séparé de toute souillure, et consacré à Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui était sanctifié ? Dans l'Ancien Testament, non seulement les personnes étaient sanctifiées, à savoir les prêtres, les sacrificateurs, les rois, les prophètes, et puis l'ensemble du peuple d'Israël, mais également des objets étaient sanctifiés. Quels objets ? Eh bien, les objets qui étaient dans le tabernacle, qui servaient à offrir le culte à Dieu, aussi bien les objets du tabernacle que plus tard les objets du temple. Mais pas seulement les personnes et les objets, certains lieux étaient sanctifiés également. Et plus particulièrement, il y avait des jours qui étaient sanctifiés. Rappelez-vous, Dieu a sanctifié le septième jour, le jour du sabbat. Et puis il y avait d'autres jours dans l'année qui constituaient les fêtes annuelles du peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est le cas d'après vous ? Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Église, donc dans le Nouveau Testament, les objets de culte, eux, disparaissent. Il n'y a plus d'objets de culte. Dans l'Ancien Testament, il y en avait. Il y avait l'autel du sacrifice, il y avait le propitiatoire, il y avait les coupes d'or, enfin bref, une multitude d'objets qui permettaient aux sacrificateurs d'offrir le culte à l'Éternel dans le tabernacle et dans le temple. Eh bien, dans le Nouveau Testament, dans l'Église, les objets de culte disparaissent. Pourquoi ? Pour une simple raison, parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment ? En esprit et en vérité. » En d'autres mots, nous n'avons plus besoin de sanctifier des objets censés nous faire adorer parce que aujourd'hui, c'est notre esprit qui adore Dieu. Nous n'avons plus besoin d'objets de culte. C'est banni, ça n'existe plus. Si ces objets existent dans certaines traditions chrétiennes, eh bien ces objets viennent de la tradition chrétienne elle-même. Mais en tout cas, elles ne viennent pas de la parole de Dieu. Nulle part dans la parole de Dieu, il est dit que, en tant que chrétien, nous devrions offrir à Dieu notre culte en utilisant certains objets. Non, la seule chose que Dieu reçoit dans un culte qui lui est agréable, c'est l'adoration qui vient de notre esprit. Aucun objet n'est demandé, donc nous n'avons plus besoin de sanctifier un objet quelconque. Il en est de même pour les jours. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, Dieu ne nous demande pas d'observer un jour particulier qui serait censé lui appartenir. Il n'y a plus de jour saint. Je sais que certains chrétiens croient encore que le dimanche est un jour saint, que le lundi de Pâques, que le dimanche de Pâques, ou que le dimanche et le lundi de Pentecôte sont des jours saints. Eh bien, absolument pas. Ces jours ont disparu dans le Nouveau Testament. Ils n'ont plus lieu d'être, nous n'avons plus à les observer, c'est clairement exprimé par Paul dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, nous avons suffisamment parlé du manger et du boire ces deux dernières semaines. Alors, nous mettons le manger et le boire de côté, continuons la lecture du verset, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat.
tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Dieu n'a prescrit aucun jour saint, ni aucun lieu saint, ni aucun objet saint. Si ces choses existaient dans l'Ancien Testament, c'était pour prévenir de la réalité qui allait s'accomplir par l'intermédiaire du Christ. C'est pour ça que le verset 17 dit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. » C'est-à-dire tous les objets dans le tabernacle, tous les jours saints, les fêtes annuelles, c'était pour préfigurer un aspect de la rédemption accomplie par Jésus à la croix. Et ils sont considérés comme une ombre, rien de plus. De même qu'il n'y a pas de substance dans une ombre, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus aucune substance dans ni un jour saint, ni un objet de culte, parce que la réalité est déjà venue en la personne de Jésus. Et si aujourd'hui des croyants veulent observer un jour saint, c'est uniquement par tradition humaine, parce qu'il n'y a aucun commandement de Dieu à ce sujet. Je sais que Pâques approche, mais il est important de comprendre que dans la nouvelle économie, la nouvelle dispensation de l'Église dans laquelle vous et moi nous vivons, la fête de Pâques n'a plus aucune espèce d'importance. Parce que Christ, notre Pâques, a été crucifié. Donc la fête de Pâques n'a plus lieu d'être. Si nous observons la fête de Pâques, c'est-à-dire si nous nous souhaitons joyeuse Pâques, ou joyeux Noël, ou joyeuse Pentecôte, eh bien ça fait partie de la coutume. Mais le jour même, le jour qui est un jour saint que nous devons observer et dans lequel nous devons avoir une certaine pratique, une certaine piété pour que cela plaise à Dieu, cela n'a pas lieu d'être. Dieu ne demande pas aux chrétiens que nous sommes d'observer des jours saints. Il n'y a plus aucun commandement de Dieu. La seule chose que Dieu considère comme saint, ce sont ceux qui lui appartiennent par la foi en Jésus. Quand Dieu regarde la planète Terre, et qu'il cherche des saints. Il ne cherche aucun lieu, aucun objet de culte. Il n'est pas appris un jour. Il cherche uniquement des individus. Il vous cherche, il me cherche, il nous cherche parce que aujourd'hui, la sanctification ne concerne que des personnes et non des objets, non des lieux, non des jours. On dit oui, mais je vais me rendre en terre sainte. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de terre sainte. Et puis on parle de la terre sainte en Israël. Non, c'est juste Israël. Elle n'est pas plus sainte qu'une autre terre. C'est juste que c'est une terre qui appartient à Dieu, parce que Dieu est le propriétaire d'Israël. Mais il n'y a pas de terre sainte. Il n'y a pas de terre sainte à Rome. Il n'y a pas de terre sainte, je ne sais pas dans quelle autre ville. Il n'y a pas de lieu saint. Toutes ces choses n'existent pas. Spirituellement, ça n'existe pas. La seule chose de saint que Dieu considère, ce sont des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus. En d'autres mots, c'est nous, vous et moi, qui devons être sanctifiés. Et si nous considérons la définition du verbe et du mot qui lui est associé, sanctification, sanctifié, nous pouvons dire que vous et moi, nous devons être purifiés, nous devons être séparés de toute souillure et nous devons être consacrés à Dieu. Dire que nous sommes sanctifiés signifie quoi? Eh bien, signifie que nous changeons de propriétaire. Nous cessons d'appartenir à notre ancien propriétaire. Qui est notre ancien propriétaire? Le monde. Le monde qui est sous le contrôle de Satan. Eh bien, nous cessons d'appartenir au monde pour être consacrés à Dieu. Et parce que nous changeons de propriétaire, nous sommes en même temps purifiés parce que le Dieu Saint devient notre nouveau propriétaire. Lorsque Dieu nous prend pour sa propriété, il nous purifie. Il nous sépare de toute souillure et il nous consacre à lui et il fait de nous des saints et des saintes parce qu'il est maintenant notre propriétaire. La question est de savoir comment cela peut se produire. C'est ce qui nous amène à notre seconde question. Qui est l'auteur de la sanctification? Nous pourrions croire que c'est nous. Parce que nous avons lu tout à l'heure, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous pourrions être tentés de dire que c'est nous. Absolument pas. Alors, nous savons maintenant qu'il est nécessaire d'être sanctifié, c'est-à-dire purifié et consacré à Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. Maintenant, il est important de savoir comment cela peut se faire. Tout d'abord, c'est très important, et notez-le, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Impossible.
ni vous ni moi, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous purifier, nous ne pouvons pas nous séparer de toute souillure et nous ne pouvons pas nous consacrer à Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 20, verset 9. Qui pourra dire, j'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché? Vous comprenez que la question implique comme réponse personne. Personne ne peut dire, j'ai purifié mon cœur. Nous n'en sommes pas capables. Nous n'avons aucune possibilité, aucune capacité intrinsèque, quelque chose qui est en nous, de purifier notre cœur, d'être purifié de nos péchés. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sanctifier. Et c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui-même qui nous sanctifie. Il sait très bien que vous et moi, nous ne pouvons pas nous sanctifier. Lui-même vous sanctifie, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui parle bien sûr de l'enlèvement de l'Église. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est pas vous, c'est lui qui le fera. C'est lui-même. Notons les deux vérités que ce verset nous révèle. Premièrement, c'est Dieu qui nous sanctifie tout entier. Il nous sanctifie esprit, âme et corps, tout entier. Et il insiste en précisant que c'est lui-même et que c'est lui qui le fera. Personne d'autre ne peut le faire. Donc, premièrement, Dieu est l'auteur de notre sanctification. Deuxièmement, il nous sanctifie en prévision de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il est écrit que votre être tout entier soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous sanctifie en prévision du retour de Jésus. Cela signifie que nous sommes sanctifiés afin d'être prêts lorsque Jésus reviendra pour enlever son Église. Ce qui revient à dire que si nous ne nous sanctifions pas, nous avons de fortes chances, si on peut appeler ça une chance, de rater l'enlèvement de l'Église. Et cela indique que la sanctification ne concerne pas seulement notre vie en ce moment, mais la sanctification concerne également notre avenir éternel. Et c'est pour cette raison qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce qui est écrit ici, mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pour le dire d'une manière plus simple, ceux qui ne se sanctifient pas ne verront pas le Seigneur lorsqu'il reviendra prendre l'Église. Le statut de chrétien ne suffit pas pour l'enlèvement de l'Église. La sanctification est nécessaire. Il y a énormément de gens qui se nomment chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de gens se disent chrétiens. Mais la vraie question est, es-tu sanctifié? Parce que tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur lorsqu'il viendra chercher son Église. Parce que réellement, Jésus ne vient pas chercher l'Église. Il ne vient pas chercher des gens avec une étiquette. Il vient chercher des sanctifiés, des gens qui lui appartiennent. Et il est important de souligner que si nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes, nous pouvons et nous devons rechercher la sanctification. C'est écrit là. Rechercher la paix avec tout et la sanctification. Alors oui, c'est Dieu l'auteur de notre sanctification, mais nous devons la rechercher. Et le verbe grec traduit par rechercher signifie poursuivre. Courir après. Ce verbe signifie même harceler et persécuter. Cela dénote le désir ardent d'obtenir quelque chose. Obtenir quoi? Eh bien, obtenir la sanctification. En d'autres mots, Dieu seul peut me sanctifier, mais je dois moi être animé du profond désir d'être sanctifié. Et pour cela, il faut que je prenne conscience de mon besoin d'être sanctifié, de mon besoin d'être sauvé. Vous savez, il y a trop de personnes qui croient qu'elles font un cadeau à Dieu lorsqu'elles deviennent chrétiennes. C'est le contraire, mes amis.
Ce n'est pas nous qui faisons un cadeau à Dieu lorsque nous devenons chrétiens, c'est Dieu qui nous fait un cadeau en nous sauvant. Et quelquefois, nous utilisons un mauvais vocabulaire lorsque nous présentons l'Évangile. Et ça laisse dans l'esprit des gens une fausse impression. Exemple, nous disons parfois à certaines personnes, « Veux-tu suivre Jésus ?» Ou alors, « Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur ?» Moi-même, je l'ai souvent dit, mais c'est une mauvaise façon de présenter l'Évangile. Parce que voyez-vous, concernant « Veux-tu suivre Jésus ?», la vie chrétienne ne consiste pas à suivre Jésus. Écoutez bien cela. La vie chrétienne ne consiste pas à suivre Jésus. Parce que si nous essayons de suivre Jésus, viendra un moment où nous ne voudrons plus suivre Jésus, ou même nous ne pourrons plus suivre Jésus. La vie chrétienne ne consiste pas à suivre Jésus, la vie chrétienne consiste plutôt à laisser Jésus vivre en nous, à travers nous. C'est pour cela que Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul ne dit pas « Je suis Jésus », non, Paul dit « Christ vit en moi ». Donc, nous n'avons pas à suivre Jésus. De toute façon, chaque fois que nous essayons de suivre Jésus, nous échouons. Parce que je ne peux pas suivre Jésus. Je ne peux que le laisser vivre en moi. Et lorsque j'apprends à le laisser vivre en moi, je n'essaie pas de le suivre parce qu'en fait, il vit en moi. Donc, veux-tu suivre Jésus? Ce n'est pas une bonne façon de présenter l'Évangile. Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur? Et nous ne faisons pas une fleur à Jésus en l'acceptant comme sauveur. C'est un petit peu comme si Jésus nous suppliait de l'accepter. Je suis ton sauveur, est-ce que tu veux bien m'accepter? Non! C'est à nous de le supplier, de nous accepter comme des membres de son corps. En d'autres termes, Jésus n'a pas besoin de nous, vous savez ça. Jésus n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de moi. C'est vous et moi qui avons besoin de lui. Donc, dire à quelqu'un « Veux-tu accepter Jésus comme sauveur ?» ce n'est pas la bonne façon de présenter l'Évangile. Il faudrait plutôt lui dire « Veux-tu prier pour que Jésus t'accepte comme un membre de son corps ?» Veux-tu prier pour que Jésus ait compassion de toi parce qu'il a déjà payé le prix à la croix ? Veux-tu prier pour que tes péchés soient effacés là, maintenant, et que tu sois régénéré ? Et non pas accepté, comme si tout d'un coup Jésus avait besoin que nous l'acceptions ? Et si nous comprenons cela, ça va donner une autre orientation et une autre dynamique à notre vie chrétienne. Nous ne serons pas comme des gens qui essayons de donner quelque chose au bon Dieu. Non, c'est pas du tout comme cela. Il est dans une totale satisfaction. Et il nous fait partager sa satisfaction, il nous appelle à lui. Et lorsque nous venons à lui, il vit en nous. Dire que Dieu est l'auteur de notre sanctification signifie donc que c'est lui qui initie l'acte par lequel vous et moi nous sommes purifiés, séparés de toute souillure et consacrés à Dieu. C'est ce qui nous conduit à notre prochaine question. Troisièmement, comment sommes-nous sanctifiés? Alors il faut savoir que les trois personnes de la Trinité sont activement impliquées dans notre sanctification. Nous venons de le voir, Dieu est l'auteur. C'est-à-dire le Père est l'auteur ou l'initiateur de notre sanctification, c'est-à-dire que c'est le Père qui engage le processus par lequel vous et moi, nous sommes purifiés, séparés de toute souillure et consacrés à Dieu. Ensuite, c'est le Fils, Jésus, qui est l'exécuteur de la sanctification. Vous comprenez? Le Père initie, le Fils exécute. Et comment est-ce que Jésus exécute notre sanctification? Il exécute notre sanctification en donnant sa vie à la croix. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, et j'attire votre attention. Soyez très attentifs à ce que nous allons lire et à ce que nous allons partager. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Notez bien, nous sommes sanctifiés par. Et là, le moyen est expliqué par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et cela indique que lorsque Jésus est mort à la croix, non seulement il nous a purifiés, non seulement il nous a séparés de toute souillure, mais lorsque Jésus a fait l'offrande de son corps, l'offrande de sa vie, il nous a inclus avec lui. Si bien que quand Jésus a offert sa vie à Dieu, il nous a en même temps offert à Dieu. Vous comprenez cela?
Quand Jésus est mort à la croix et qu'il a offert sa vie, qu'il a offert son corps, parce que nous étions en lui, il nous a en même temps offert à Dieu. Il nous a consacré à Dieu pour le service de Dieu. C'est très important de le savoir. C'est lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha que vous et moi, nous avons été donnés à Dieu. N'oublions pas, nous l'avons lu tout à l'heure, nous avons été crucifiés avec Jésus. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé pour Jésus, s'est également passé pour nous. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de le croire pour que cela devienne une réalité dans notre vie. Mais nous n'avons rien à faire. Jésus a tout fait. Il nous demande une seule chose, croire, accepter. Donc quand Jésus est mort, en offrant sa vie sur la croix, il nous a sanctifiés. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10, toujours le verset 14 maintenant. Car par une seule offrande, quelle offrande? L'offrande de sa vie sur la croix, par une seule offrande, il, Jésus, écoutez bien cela, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et cette offrande était tellement puissante, tellement complète, que dès lors que nous sommes sanctifiés par la mort de Jésus, nous obtenons une position parfaite devant Dieu. C'est ce que veut dire l'expression « il nous a amenés à la perfection ». Nous obtenons une position parfaite devant Dieu. Attention, nous ne devenons pas parfaits dans nos actes. Ça, nous le savons. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas parfaits dans ce que vous faites. Moi non plus. Nous ne sommes pas parfaits dans ce que nous faisons, dans nos actes, dans nos attitudes. Mais dans notre position, nous sommes parfaits. Dans notre position là, devant Dieu, nous sommes parfaits. Ça veut dire quoi? Être parfait dans sa position devant Dieu. Cela veut dire quoi? Amener à la perfection. Cela veut dire que nous sommes des coupables disculpés. Comprenez-vous ce que veut dire être un coupable disculpé? Disculper quelqu'un, cela veut dire enlever la culpabilité. La Bible appelle cela, la Bible utilise un mot pour cela. Vous savez c'est quoi? Quel mot? Justifié. Écoutez bien cela. Quand Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha, nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, nous avons payé de notre vie le prix de nos péchés. Donc nous avons été disculpés et nous sommes maintenant sans péché. Et lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit juste. Quand tu viens à Jésus et que tu dis oui à Jésus, oui Jésus, accepte-moi. Oui Jésus, prends-moi comme un membre de ton corps. Oui Jésus, sauve-moi, j'accepte ce que tu as fait à Golgotha. Quand je dis oui à Jésus, à cet instant précis, je suis rendu juste. Je suis parfaitement juste devant Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand vous commettez des fautes plus ou moins lourdes, vous n'en subissez pas les conséquences. Avez-vous remarqué qu'il y a certaines personnes qui font des choses, mais alors, waouh, incroyable. Mais ils n'en subissent pas les conséquences. Vous savez pourquoi ? Quelquefois, on a même l'impression que Dieu oublie ce qu'ils ont fait. Vous comprenez ce que je veux dire, là? On dit, mais telle personne regarde ce qu'il a fait, mais c'est pas possible, mais le bon Dieu punit pas lui. Incroyable, comment il peut s'en sortir? Il est toujours là, il est debout. Pourquoi? La réponse, elle est simple. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été justifié. Et parce qu'il a été justifié, il est parfait devant Dieu. Pas dans ce qu'il fait, mais dans sa position. Il est parfaitement justifié. Et écoutez bien cela. Si j'ai été justifié il y a 20 ans en arrière, à la minute où j'ai dit oui à Jésus, je ne suis pas plus juste aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Et je ne suis pas moins juste aujourd'hui que je le serai dans 20 ans. Ma justice, ma position de juste devant Dieu ne change pas. Je suis parfaitement, complètement, totalement juste. C'est pour cela que la Bible dit, il a amené à la perfection. Alors nous parlerons de la justification bientôt et nous verrons que c'est tout simplement incroyable. Ce sont deux actes simultanés, c'est-à-dire sur la croix et en Jésus, nous sommes déclarés justes, nous sommes justifiés et immédiatement nous sommes sanctifiés. En même temps, déclarés justes et purifiés, séparés de toute souillure et consacrés à Dieu. En même temps, c'est simultané. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous sommes amenés à la perfection. Et c'est parce que cette sanctification est en Jésus
que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Regardez 1 Corinthiens 1 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus, lequel de par Dieu a été fait pour nous, notez bien, il a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, simplement que Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons sanctifiés. Et parce qu'il a tout fait, il est devenu notre sanctification. Il est inutile de chercher ailleurs un moyen d'être sanctifié. Ce n'est pas par nos efforts, ça ne peut pas être par nos œuvres. C'est en Jésus-Christ seul. Et si le Père est l'auteur de notre sanctification, si le Fils est l'exécuteur par sa mort sur la croix, c'est le Saint-Esprit qui applique la sanctification à notre vie. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Notez bien ces versets. Il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Les injustes, ça désigne qui? Eh bien, ça désigne des gens qui ne sont pas justes, qui n'ont pas été justifiés, qui ont refusé ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Ils n'ont pas dit oui à Jésus. Alors quand Dieu les regarde, Dieu les voit injustes. Parce qu'ils ont dit non à Jésus. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors la liste des péchés dans ce texte est d'une clarté impressionnant. Nous n'allons pas entrer dans cette liste de péchés. Vous comprenez qu'il est question de certains individus qui ont un style de vie qui font que le royaume de Dieu leur est fermé, c'est-à-dire le ciel leur est fermé. C'est pas plus compliqué que cela. Le ciel est fermé aux gens qui sont décrits ici. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous faisiez partie de cette catégorie d'individus. C'est-à-dire certains d'entre vous, vous étiez homosexuels, vous étiez des voleurs, vous étiez des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs, des efféminés, des idolâtres, des débauchés. Mais, la profondeur de la souillure du péché ne peut pas empêcher Dieu de nous laver, de nous sanctifier et de nous déclarer justes. Et comment est-ce qu'il le fait? Tout d'abord, il le fait sur l'autorité de Jésus qui meurt à la croix pour nous et nous permet légalement d'être sauvés. C'est ce que signifie l'expression « au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Cela veut dire que sur l'autorité de ce que Jésus a fait légalement à la croix, sur cette autorité-là, vous pouvez être sauvés. Mais l'aspect légal ne suffit pas. Il faut aussi le versant pratique. Et pratiquement, c'est par l'Esprit de notre Dieu que toutes ces choses sont appliquées dans notre vie. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes sanctifiés. Alors le Père décide notre sanctification, il nous appelle à la sanctification, le Fils l'accomplit à la croix pour nous, il paye le prix, il fait tout ce qu'il faut. Et lorsque nous disons oui à Jésus, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit applique cette sanctification dans notre vie. Et cela est confirmé par 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Et vous avez vu que dans tout ce processus, il n'y a pas l'effort de l'homme. Il n'y a pas les œuvres de la religion. Non, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2 Thessaloniciens 2 13. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Notez bien la suite du verset. Par quoi? La sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Notre sanctification est la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit est l'agent qui applique la sanctification à notre vie. C'est par sa puissance que vous et moi nous sommes sanctifiés. Et si nous tentons de nous sanctifier par nos propres moyens, parce qu'on peut essayer, il y en a qui ont essayé, moi le premier. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent essayé de me sanctifier. Eh bien, je ne suis pas allé très loin. Hein? Parce que, voyez-vous, quand nous essayons de nous sanctifier par nos propres moyens, nous tombons tout d'abord dans le légalisme, qui, loin de nous sanctifier, contribue encore plus à nous souiller. C'est ce que Paul a découvert
Et c'est pour cela que Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 21. Lisez bien ce verset. Romains 7, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, quand je veux me sanctifier, quand je veux devenir plus saint, le mal est attaché à moi. Quand je fais mes propres efforts, quand j'essaie de mes propres forces de me sanctifier, de faire le bien, je découvre une chose, c'est que le mal est attaché à moi. Cela signifie que dès que nous nous appuyons sur nos forces pour nous sanctifier, c'est le contraire qui se produit. Parce que voyez-vous, la sanctification est l'œuvre de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Notre responsabilité dans la sanctification existe, mais elle est ailleurs. Nous ne pouvons pas nous sanctifier. Cependant, nous avons une responsabilité. C'est ce qui nous amène à notre dernière question. Quatrièmement, quel est notre rôle dans la sanctification? Si nous ne pouvons pas nous sanctifier, cela ne veut pas dire que nous devons rester passifs. Nous avons une participation et il est important de comprendre en quoi consiste notre participation. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà souligné, nous devons rechercher la sanctification. Nous devons avoir le désir. Nous devons avoir soif de nous sanctifier, d'être sanctifiés. Dieu ne va pas nous imposer la sanctification. Dieu ne va pas nous forcer à obtenir la sanctification, à être sanctifié. Non. Nous devons en avoir le profond désir, nous devons poursuivre la sanctification, nous devons courir après comme si notre vie en dépendait, ce qui est d'ailleurs le cas spirituellement parlant. Nous dépendons de notre sanctification. Maintenant, pour comprendre notre responsabilité, je termine avec ce verset, lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, et nous allons aller jusqu'au chapitre 7, verset 1. Regardez ce qui est écrit, 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 1 du chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, quelles promesses? Eh bien, je serai un père pour vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, et je vous accueillerai. Alors, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors qu'est-ce que nous apprenons ici? Eh bien, Dieu nous demande de nous séparer et de ne pas toucher à la corruption du monde. C'est incroyable, ce samedi, nous avons vu combien il est important de bien séparer la parole de Dieu. Préparez. Nous avons dit que Dieu est un Dieu qui sépare. Dieu aime la séparation. C'est vrai que Dieu aime l'unité, mais Dieu aime l'unité qui est le fruit de la séparation. Dieu veut que nous nous séparions pour que nous puissions être unis. Donc, tout d'abord, nous devons nous séparer et ne pas toucher à la corruption du monde. Aujourd'hui, dans l'Église, on entend très peu d'enseignements sur la doctrine de la séparation. Vous savez que dans la Bible, il y a une doctrine extrêmement présente qui s'appelle la doctrine de la séparation. Elle est présente dans la Bible, mais elle n'est plus enseignée aujourd'hui dans l'Église parce qu'elle dérange tellement. La doctrine de la séparation. Paul précise que notre rôle consiste à nous purifier des souillures de la chair et de l'esprit pour accomplir notre sanctification. C'est-à-dire pour amener notre sanctification à son terme. Que devons-nous faire? Quelle est notre responsabilité? Nous purifier. Nous ne pouvons pas nous sanctifier, mais nous pouvons et nous devons nous purifier des souillures de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire, les souillures de la chair et de l'esprit désignent les aspects extérieurs et intérieurs du péché, c'est-à-dire aussi bien les intentions, les pensées, les émotions qui sont contraires à la parole de Dieu, que les actes par lesquels ces intentions, ces pensées et ces émotions se manifestent. Par exemple, la Bible parle de l'adultère. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, eh bien, Jésus dit clairement que l'adultère commence dans le regard. Vous connaissez ce verset? Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur. C'est une souillure de l'esprit qui peut se transformer en souillure de la chair. C'est-à-dire, l'esprit est déjà souillé par le regard et la pensée, et ensuite l'acte suit. Et si l'acte ne suit pas, la souillure, elle est quand même là parce qu'elle est là dans l'esprit. Peut-être que il n'est pas passé à l'acte, mais la souillure est là dans l'esprit. Donc la Bible dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit.
lorsque nous avons des désirs, des pensées, des intentions qui sont contraires à la parole de Dieu, ce sont des souillures de l'esprit. Et nous devons nous en purifier, c'est-à-dire nous devons constamment et avec vigilance recadrer notre vie intérieure et extérieure quand nous constatons que le péché veut nous prendre dans ses filets. Et lorsque nous disons non au péché, en d'autres termes, une pensée surgit, un désir surgit, un désir contraire à la parole de Dieu, une émotion contraire à la parole de Dieu fait son apparition. Vous devez immédiatement dire non. Au nom de Jésus, non. Je ferme la porte de mon cœur. Je ferme la porte de mon esprit. Je dis non à cette pensée. Je dis non à cette intention qui surgit. Je dis non. Et quand je le fais, eh bien, je permets au Saint-Esprit de venir me sanctifier parce que moi, j'ai exprimé mon désir d'être purifié. Et c'est cela, se purifier des souillures de la chair et de l'esprit. Dire non. Et se mettre devant Dieu en disant non. Et lorsque je dis non, alors le Saint-Esprit vient. C'est incroyable. Très souvent, pour que Dieu agisse dans notre vie, nous avons besoin de lui dire oui. Mais il a aussi besoin que nous disions non. Mais c'est pas à lui que nous devons dire non. À Dieu, nous devons dire oui. Mais au péché, nous devons dire non. Non. Quand une pensée surgit, dites non. Ne laissez pas cette pensée entrer dans votre esprit et vous conduire dans un autre flot de pensées. Il faut tout de suite tuer la pensée dès qu'elle apparaît. Tout de suite. Dès que la pensée surgit, même si c'est une petite pensée, tout de suite, il faut la tuer. Immédiatement. Et il faut dire non et fermer les portes de sa pensée, les portes de son esprit. Et en faisant cela, nous nous purifions. Et lorsque nous nous purifions, nous remplissons notre rôle dans la sanctification et nous permettons au Saint-Esprit de venir nous sanctifier. Et à la lumière de tout ce qui a été dit, nous pouvons affirmer que la sanctification est réellement le privilège et la responsabilité de tout chrétien. Privilège parce que Jésus a payé le prix à la croix et le Saint-Esprit est là pour nous appliquer la sanctification, mais responsabilité parce que vous et moi, nous devons dire non. Non au péché. Non aux sollicitations du royaume des ténèbres. Non aux ruses du diable. Non. Et lorsque nous le faisons, alors nous vivons la réalité de la sanctification. Et c'est ce que Dieu veut. Et rappelez-vous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.